Quels sont les effets du déficit en testostérone sur vos érections ? Je suis le docteur Sébastien Bellet, chirurgien urologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui de l'effet sur les érections du déficit en testostérone. Si le déficit en testostérone est connu pour faire perdre le désir, voire même la qualité du plaisir, ou encore les difficultés que son déficit entraîne pour atteindre l'orgasme, ce qui est peut-être moins connu est qu'un déficit en testostérone donne également des problèmes d'érection. Ces problèmes d'érection sont même assez spécifiques, et il est assez rapide, lorsque l'on fait le point avec un patient qui consulte pour un problème d'érection, de faire le diagnostic d'un déficit en testostérone. Alors, quels sont les symptômes que va présenter un homme qui a un déficit en testostérone lorsqu'il s'agit de ses érections ? Eh bien, il s'agit de façon très classique d'une érection instable, c'est-à-dire qu'il est possible d'obtenir une érection. Cette érection peut parfois être de bonne qualité. En revanche, l'érection ne va pas durer dans le temps. En effet, en cas de déficit en testostérone, les cellules qui sont censées entretenir l'érection une fois qu'elle a été obtenue, ces cellules qui sont les cellules endothéliales, les cellules qui revêtent l'intérieur des petits vaisseaux, eh bien ces cellules vont dysfonctionner et ne vont pas relarguer le monoxyde d'azote comme elles devraient le faire. La conséquence, c'est qu'une fois que l'érection a été obtenue, eh bien elle va progressivement et assez rapidement dans le temps diminuer en efficacité jusqu'à ce que l'érection soit perdue. Ainsi, si vous avez passé la cinquantaine et que vous trouvez que vos érections ne durent pas suffisamment, si vous avez l'impression d'avoir une érection instable, il est nécessaire de consulter votre urologue pour faire explorer votre taux de testostérone et éventuellement obtenir un traitement si vous manquez de testostérone. Ce traitement pourra être de la testostérone en injection, mais également peut-être un traitement à base de compléments alimentaires qui va pouvoir booster votre sécrétion naturelle. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et prenez soin de votre santé.